Hey! Je suis de retour pour plus de Monster Hunter! Aujourd'hui, on va se faire frapper 3-4 fois. Non, c'est pas vrai, j'en ai aucune idée, j'espère que non. Je commence pessimiste. C'est pas bon signe, ça, dans ce temps-là, généralement. Mais bref, on va espérer que tout se passe bien. Et je me rappelle même plus c'est quoi la quête que j'ai pris parce que j'ai tout préparé ça avant de faire beaucoup avant de commencer à enregistrer parce que... Plus que je me prépare d'avance, ben le moins de temps, ben le plus de temps que j'ai pour enregistrer la vidéo, si ça fait de sens. Bon, bref, on va regarder c'était quoi. Ah! 3 Dragon and Burpees, fait qu'il faut que j'aille miner. Parfait, ça tombe bien, on est riche en méga pickaxe, on va pouvoir miner autant que je veux. Je pense que c'était en minant qu'on avait ça. Donc, stratégie, ça va juste de m'enfuir de tous les combats le plus possible et... My god, mes écouteurs. T'es en train de Attendez une seconde. Ne me tuez pas pendant que... Ok, personne me tue. No bombes, ne me tue pas. Pourquoi j'ai changé d'écouteurs, mais pas d'écouteurs? Ok, ok, là je connais. C'est parfait. Ah, donc... Aujourd'hui, j'ai comme un appel que je pensais recevoir déjà, mais que j'ai pas reçu. Et que ça se peut que j'avais pas d'appel. Mais bref, je me dis, j'enregistre une vidéo, c'est tout le temps là que ça arrive. Et je suis supposé recevoir un colis. Et là, je me dis, j'enregistre une vidéo, je vais avoir un appel et un colis. Mais là, on peut-tu poser? Ah oui, il y a un pause. Ok, parfait. Fait que c'est pas si un problème que ça, finalement. Mais j'ai peur. Ok, parce que... Oh, God, il y a des fucking... Non, 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 non. C'est pas vrai que tu vas m'avoir, mon cher. Et toi, pendant que t'es encore pas trop... Ah, il a arrêté de reculer. Oh, my God. Oh my god, ma manette avec son drift magnifique, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi les manettes de Switch sont autant de qualité de merde? Désolé, là. Mais bref, j'ai deux manettes de Switch et les deux, c'est de la merde. J'en ai trois, en fait. Une sur trois et pas de la merde. Donc, c'est pas un bon pourcentage, si vous me le demandez. Je pense que j'ai mangé pour dévier plus, non? Hein? Hey, c'est moi, regardez-moi ça, le dévier totalement planifié. Je sais pas pourquoi je tue lui, en fait. Il m'avait pas vu, je pense. Mais c'est mieux de toutes les tuer. Là, le problème, c'est qu'ils peuvent respawner. Et je devrais mettre la caméra d'un certain... Exactement, ils peuvent respawner. You will die. Encore plus. Ou pas. Ok, et c'est-tu quoi? Y a-tu un autre spot de minerai ici? Ah oui, ah, y en a deux autres. Ok, on va miner, puis on va l'observer à distance. C'est comme ça qu'on se fait frapper en laissant vivre tout le monde. Je commence à croire que les Dragon and Burr sont en bas de la map, en fait. Genre dans 9, 10, 11, je sais plus. J'ai comme de vagues mémoires que c'est ça. Mais je préfère miner tout ce que je trouve. De toute façon, on va me donner les matériaux. Je vais peut-être pouvoir upgrader mes affaires éventuellement. Non. Quoi qu'on n'a pas besoin d'upgrader cet afro-là. Il est déjà OP, cet afro. Bref. Autre chose que je voulais dire, c'est que j'ai peur qu'on se fasse frapper parce que je suis pas tant prêt pour qu'on rentre dans Iceborne, si ça fait du sens. Rentrer à l'intérieur de Iceborne. Mm. Mais c'est parce que je me suis dit, c'est mieux que je joue à la version PC parce que les temps de téléchargement sont vraiment mieux que sur PS4. Évidemment, ben, tout est mieux que sur PS4 en fait. Et je n'ai pas de PS5, donc ce n'est pas une option d'enregistrer sur la PS5. Quoique ça irait probablement mieux. Mais le problème, c'est que j'ai des mods sur... sur Iceborne, sur mon PC. Oh yes, j'en ai un! Et si vous avez vu, ça m'étonnerait, vous êtes sûrement pas nombreux à avoir vu ma superbe vidéo de Jojo qui est passée pendant les rediffusions sur live. Vous avez vu un peu les mods que j'ai. Et c'est des mods un petit peu trop game-changing pour que je les enlève pas, dans le fond. Fait que je sais pas si ça va être simple ou pas de toutes les enlever, parce que je me suis pas préparé. Mais bref, j'espère que ça va être simple de les enlever. Mais ça fait longtemps que j'ai mis des mods. Je sais plus c'est quoi les mods que j'ai mis. Fait que désinstaller des mods que t'es pas au courant, ça peut être compliqué un peu sans tout réinstaller. Et ça me tente pas de tout réinstaller. Mais ça peut être une option, par contre. J'aimerais ça garder les mods, un fichier... dans le fond, un Monster Hunter avec les mods... Et un sans les mods, dans le fond. Un iceboard avec mods et un sans mods. C'est mon plan de match que je vais essayer de faire pour ça. Parce qu'on sait jamais qu'est-ce que je vais faire avec les mods. Qu'est-ce que je regarde? Item. Gargoyf, s'il vous plaît, venez pas faire me tuer. J'en ai juste deux! Il en manque un. Il en manque un. Il doit être dans la zone 10. C'est clair que oui.
Et... Ok, ça c'est... Oui, je me rappelle. Attendez une seconde, faut que je vois c'est quoi le nom de cette chose-là. J'ai perdu ma pickaxe. Éternel fossile. Fait que si jamais on voit un fossile éternel, c'est là qu'il faut que j'aille. Ok, c'est bon. Je m'en rappellerai totalement pas, mais au moins, on sait tous que je l'ai vu. Oh, il y a des millions de Jaggi. Et je vois pas de spot de minage. Ne me faites pas schnapser, s'il vous plaît. Ne me faites pas schnapser avec un spot de minage que je trouverai pas. J'avais-tu été partout à 9? Une partie... J'avais-tu été partout à 10... à 11? Je sais même pas si j'ai regardé comme du monde. Ça, c'est un problème. C'est sûr qu'il y a un spot à quelque part qui me manque. Et qu'il y a un Dragon Ember Peace dedans. Ok, c'est des chats qu'il y a ici. Non, je pense qu'il n'y en a pas de spot de minage ici, mais je veux juste rien. Never mind! Il y en a un, sauf qu'il y a des chats aussi. Ah, qui c'est mon chat qui s'en vient en courant. Ok. Non, 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 non. Saute! Ok, parfait. Tu dois. Ah, excuse-moi. Tu dois mourir. Ah, il y en a un là! Oh my god! Ok. Ok, ok. Calme-toi. Calme-toi, ce n'est qu'il y a des chats. T'es allergique aux chats, ils vont te tuer. Va-t'en, sauve-toi. Il y en a juste trois, hein. Il n'y en a pas un autre caché à quelque part. Il n'y a pas de l'air. Ok, reload dans les airs, c'est magnifique. Parfait. Ok, nos bombes, tue-les. Aide-moi. Oh my god. Le dodge qui m'a sauvé la vie. Je ne sais pas vraiment s'il m'a sauvé la vie. Ok, un coup. Il est supposé avoir trois chats, il est où l'autre? Peut-être que nos bombes l'ont tué. Je pense que nos bombes l'ont tué. T'es MVP. Nos bombes, tu me sauves la vie. Je sais pas si c'est fait frapper par mon shot ou son boomerang. En fait, là, je suis trop parano de ces chats-là. C'est simple, t'es fait attaquer, puis t'es attaques après. Mais le problème, c'est que c'est parce que dans Monster Hunter Freedom, ces chats-là, là, ils sont experts pour te frapper. Mais ils sont pas tant dans Generation Ultimate. Hey, il y a des spots de minage partout, finalement. Je pense qu'ils viennent juste de spawner, par contre. Mais bref. Yeah! On a tout eu. Qu'est-ce qu'on avait besoin? Donc, je pense qu'on va... Il m'a même donné un autre. Ça, c'est classique. Classique! Classique, j'aime d'en avoir trois. Aussitôt que t'en as plus de besoin, est-ce que j'ai bien... Oh, j'ai bien guessé! Je me suis dit qu'il allait plus avoir rien après le Earth Crystal. Et j'avais raison. Oh non, j'entends un chat. Je pense que c'est mon chat, mais je suis pas sûr à 100%. Fuis! Fuis! On va passer par 10, ça va aller plus vite que passer par 8, 7, 3. Place avec 10, 3. Et il faut juste pas se faire frapper d'ici là! Simple! Très simple! Mais j'ai peur quand même. Peut-être que ça va être la dernière quête et on va avoir notre quête urgente après ça. J'en ai aucune idée, comme j'ai dit. Je n'utilise pas les guides, je sais, je me répète souvent, ok? Oh goddammit, non, 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 laisse-moi. J'aime pas ça que le jeu m'empêche de me contrôler. Ça me fait virer parano avec... avec le challenge qu'on a. Qui sait, peut-être qu'on va finir Generation Ultimate? Puis on n'aura pas commencé Iceborne avant un bout. Peut-être qu'on va finir Generation Ultimate avant que Sunbreak sorte. Ce qui m'étonnerait fortement. Mais bref, on va avoir du contenu Monster Hunter pour toujours. Pour toujours! Tu sais, si vous en rappelez, ça doit être dans mes premières vidéos, j'ai dit que j'allais jamais arrêter de faire des vidéos. Eh bien, on est en 2021 et je n'ai toujours pas arrêté de faire des vidéos, donc je n'ai pas menti encore. Ça m'est arrivé d'arrêter pendant une certaine période de temps. Mais bref, les vidéos ont changé ma vie pour le mieux. Alors, je continue de faire des vidéos, peu importe ce qu'il arrive. Je vais en faire, même si on n'a plus d'internet, je vais faire des vidéos pour moi-même. Je vais avoir plein de DVD enregistrés avec les vidéos de Monster Hunter dessus. Puis là, je vais les enfouir à quelque part dans la terre. Et dans 200 ans, on va les retrouver. On va dire comment qu'on fait pour écouter ces choses. Puis là, ça va être la seule chose qu'on va retrouver de notre civilisation, de notre époque. Mes vidéos. Puis je pense qu'ils vont me trouver. Qu'ils vont nous trouver, en fait. Tout le monde, vraiment bizarre. Mais c'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout pour cette quête qu'on va vite. Je sais pas si c'est avec la quête urgente. Soit, ok, fait que la prochaine quête, soit que c'est une quête urgente, soit que c'est une quête qu'on cueille des champignons. Fait que, yeah! Palpitant cueillir des champignons. Très palpitant. Bref, je vous retrouve à la prochaine quête. Peu importe quelle quête que ça va être. Nos bombes, menez-vous 4 maintenant, ce qui est bien. Donc, à dans pas long. Ok, on est parti chasser. Des champignons! On va partir à la chasse aux champignons, oui. Ils vont partir en se courant, puis on va les tirer avec nos balles dans la tête! Bref, non, faut les cueillir. Mais j'ai débloqué une quête.
de chasser 10 Jaggi. Et pourquoi je l'ai pas pris, cette quête de 10 Jaggi-là? C'est parce que c'est une requête, et de mes souvenirs, les requêtes sont jamais des quêtes clés. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être. Je sais pas qu'est-ce que je cherche là, dans mon inventaire. Bref, fait que... Si je me rappelle bien, il me semble que les Abyssal Mushrooms sont vraiment dans les zones 9, 10 et 11. Je vais tout de suite me rendre dans ces zones-là, puis on va monter à place de faire l'inverse. Fait que je vais marcher, courir lentement vers la zone 11, 9, 10. Toutes ces réponses. Je comprends toujours pas pourquoi vous vous tenez à côté du cadavre de Kelby, vous. Il y a des champignons, ils sont trop tentants, ok? Désolé! Peut-être qu'on va en avoir tout, tout. Mais mes souvenirs peuvent se tromper, donc à date, ils se trompent pas mes souvenirs. Ah, 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 Kelby, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens me déranger? Si tu me frappes avec un coup de tête, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je pleure. Parce qu'il faudrait que je set up tout mon Monster Hunter Iceborne. Aujourd'hui, j'ai encore plus une raison de pas vouloir me faire frapper, disons. Oh god, frappe-les. Hey, oh oui, j'ai oublié de mentionner, on a Andrew aussi maintenant. On a un nouveau chat avec nous et je voulais le nommer un autre. Je voulais l'appeler autrement, mais quand ils me l'ont demandé, le jeu me l'a demandé, j'ai fait... Non, je veux pas changer son nom, mais je voulais changer son nom. Il me semble qu'on peut les rechanger, mais j'ai été trop lâche. Donc, nos bombes et Andrew, maintenant, vont être des distractions. Et j'espère que Andrew, il a pas de bombes. Il est pas supposé, c'est un trappeur. Je pense que nos bombes, c'est un chat qui vole. Et Andrew, c'est un chat qui avec le support, dans le fond. Fait qu'il met des trappes et toutes ces affaires-là. J'espère que c'est ça. J'ai essayé. Le jeu essayait toujours de me donner des chats avec des bombes, mais je suis pas sadique à ce point-là. J'ai hésité, par contre. Quand le jeu était comme, tu voudrais pas hein, ce beau petit chat-là avec les bombes? Il aime ça, lancer des bombes, il pourrait t'en lancer d'en face. J'ai fait, non. Non. C'était ma réaction. Donc, je sais même pas si c'est vrai. Mes souvenirs, est-ce que mes souvenirs sont bons? Donnez-moi un Abyssal Mushroom ici. Par pitié. Oh, x2 en plus, ok, mes souvenirs, pour une fois, fonctionnent, ma mémoire. Ah, ok, là, c'est juste des toadstools. Ils m'en ont donné deux, puis après ça, ils ont fuck you. Il m'en faut trois autres. Ah, les chats. Ah, les chats. On va aller à la zone 11, finalement. La zone 10, il y a des Jaggi aussi. C'est les mêmes monstres que dans l'autre quête, je pense à ça. Ils ont juste fait un copier-coller de la quête précédente qu'on a fait. Non, des gargouilles. Oui, c'était des gargouilles ici tantôt. Je vois le manque de créativité. Il aurait pu changer les gargois pour des mélinx, inverser les zones, hein? Mais c'est bien plus simple de faire des copier-coller. Bref. Dérange pas vraiment. Mais c'est ça. Ça, c'était un problème. Ben, est-ce vraiment un problème? Mais bref. Je pense qu'on est rendu à 5. Oui! Finissons cette quête-là au plus sacrant. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est dans Generation Ultimate, il y avait des millions de quêtes. Puis là, tu complétais une quête, ça débloquait une quête exactement pareille, sauf, mettons, dans une autre map. Genre, tu tuais un Snogger. Puis tuer un Snogger, ben ça débloquait une quête de tuer un... Ok, ça débloquait une autre quête de tuer un autre Snogger dans une autre map. Puis si t'étais chanceux, cette quête-là allait débloquer une autre quête de Snogger. Bref, Generation Ultimate, c'était pas mal ça. Il y en a qui pourraient dire que c'est bien, d'autres qui vont dire c'est poche. Moi, j'en ai aucune idée, honnêtement. Generation Ultimate, il y a des millions d'heures de jeu là-dedans. On peut faire des millions d'affaires. C'est un bon jeu, Monster Hunter. En fait, moi, je suis biaisé parce que je trouve tous les jeux de Monster Hunter bons. Il y en a un que... Il y en a quelques-uns que j'ai pas assez joué. C'était dans les spin-offs. J'ai pas assez joué au Poka Poka Village, sur les chats. J'ai pas joué à celui... C'est Monster Hunter Riders, je pense, qui est... Dans le fond, Monster Hunter Stories, mais sur mobile. Mais c'est pas Monster Hunter Stories, ça fait du sens. Bref, oh god. Celui-là non plus, j'ai pas joué. Fait que je peux pas en parler. J'ai joué à Poka Poka Village, mais vraiment pas assez. Je suis tout le temps... À chaque fois que je veux jouer, je fais le début, puis après ça, j'abandonne. Pas parce que c'est mauvais, c'est juste parce que je fais autre chose, puis j'oublie d'en revenir. Bref. Hey, c'est quoi qu'il y a dans la distance, là? C'est-tu des Aptonoth qui se chicanent? T'as mis une seconde. On va sortir notre laser. Ok, ça change pas grand-chose. J'aurais essayé. Ok, fait que là, j'espère qu'on débloque la quête urgente. On a toutes fait les quêtes, sauf la quête de 10 Jaggi, qui est une requête. Fait que je sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus, à part faire la quête des 10 Jaggi. Fait que soit qu'on en revient, puis c'est la quête des 10 Jaggi. Soit que j'en reviens, puis c'est la quête urgente, que j'ai aucune idée c'est quoi. J'espère. On a-tu réussi une quête urgente jusqu'à présent? Je pense que... Ah, peut-être oui, dans Trio, on l'a réussi, la quête urgente, mais c'était le tuer des loups de rough, fait que c'était loin d'être compliqué comme quête urgente.
Mais bref, on a-tu réussi un. Non! Ou peut-être qu'il y a. C'était-tu Vélostrome ou pas dans Monster Hunter Freedom engagé? Je manque de mémoire. Bref, je reviens. Ok! Fait que je suis de retour avec une quête de 10 Jackie, évidemment. Fait que j'imagine que c'était une quête requête, un tutoriel qui nous. C'est pour ça que c'est la quête clé dans le fond. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Aussitôt que j'ai vu qu'il y a personne qui voulait me parler dans le village, j'ai fait ah. J'aurais dû m'en douter, en effet. Donc, je vais prendre les normales level 2. Ça va aller, on va être plus efficace. Pourquoi prendre les niveaux 1 quand on a des niveaux 2? Surtout quand je suis riche. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à vouloir économiser mes munitions. On est fucking riche, le jeu m'a rendu millionnaire. Je suis indépendant de fortune dans Generation Ultimate jusqu'à temps qu'on s'est rendu vraiment loin, 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 loin. Puis même si on continue de gagner de l'argent. Donc, faut que je tue 10 Jaggi. Est-ce qu'elles sont. Ah, j'ai aucune idée. Je me rappelle pas de cette quête-là, fait qu'ils doivent être. Ou c'est des. C'est pas des Jaggi, c'est des Jaggi, hein. Jaggi, ok. Ouh! Juste pour confirmer, parce que j'aurais l'air stupide de tuer les Jaggi puis m'enfuir des Jaggi, puis finalement c'était 10 Jaggi, faudrait que je tue. Je voulais aller à 3, je suis allé à 4. Posez-vous pas de questions. Mon cerveau est une drôle de bête. Qui me parle des fois dans la nuit, qui me dit. Fais-toi souffrir en faisant des vidéos sur des jeux qui te font souffrir. Mais là, j'ai dit, compromis, je vais jouer à des jeux que j'aime. Mais je vais me faire souffrir en jouant à des jeux que j'aime. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé, cette série. Regardez pas mon bisou! Ok, il est mort. J'assume qu'il est mort. Non, il est pas mort, goddammit. Là, il est mort. No bomb, tu l'as tué? Magnifique. Magnifique. J'ai quasiment le goût de le dépecer en plus. Je pense que l'autre m'a vu. Non, non, vite, dépece plus vite, dépece plus vite, plus vite, plus vite. Je veux trop les matériaux de monstre, que j'ai pas besoin de tout. Ah! Surtout qu'on n'a pas besoin vraiment d'armure. Oh, goddammit. Non! J'ai dit non! Ah! Un jour, je vais savoir viser. Un jour. C'est peut-être ma manette. Peut-être que je devrais blâmer ma manette. Moi qui m'enfuis en courant, évidemment. Au moins j'ai mes chats dans Generation Ultimate. Honnêtement, si je me rends pas loin dans Generation Ultimate, parce que le jeu m'aide beaucoup. M'aide beaucoup à pas me faire frapper. Et avec les chats et tout et tout et tout. Avec les matériaux. Enfin, il m'aide en général plus que les autres. Donc si je me rends pas loin dans Generation Ultimate, on va souffrir beaucoup. J'espère me rendre au moins là, la première quête urgente, là, j'espère la compléter dans Generation Ultimate. Je sais même plus c'est quoi. C'est-tu le Great Macao, la première quête urgente? Ouais, ça risque d'être compliqué finalement parce qu'il y a plusieurs monstres avec lui. Mais il va falloir que j'apprenne à lire les mouvements plus efficacement que normalement. Fait qu'on a fait quelques meurtres ici. Il doit m'en rester 6 exactement. On va descendre vers 8. Et je devrais te dépecer, là. Ah, il disparaît. Vite, 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 toi. Ne disparais pas. Peut-être qu'ils vont réapparaître. En plus, respawn le temps que je dépece. Non? Ok. Parfait. Jaggi Scale, rien de bon là-dedans. Imaginez tuer les boss de fin de cette façon-là. Mais techniquement, savez-vous qu'est-ce qui m'encourage? C'est parce que je peux prendre mon temps. 50 minutes, ça peut être. C'est assez, généralement. Normalement, ça me prend. Je sais plus c'est quoi ma moyenne de temps, mais tu sais. Je prends pas le meilleur équipement en général, puis ça me prend pas. Je suis loin de manquer de temps, disons, on va dire ça de même. Ah! Fait que je me dis, peut-être qu'avec une bonne stratégie, puis juste être patient, je vais pouvoir faire quelque chose avec cette série-ci. Mais il va falloir que je pense pour ça. Et c'est ça. Le problème aussi que je peux avoir avec ça, c'est de farmer pour avoir un équipement. Mais je pense que je vais essayer d'utiliser des sets mix un petit peu pour me rendre la vie plus simple. Ou s'il y a un monstre que j'ai plus de facilité à faire sans me faire frapper, on va essayer d'y aller pour ça. S'il offre quelque chose qui vaut la peine dans le set, parce qu'on se fout complètement de la défense. Donc, et je sais pas c'est quoi que je veux en fait. Je veux quelque chose qui m'aide à être plus manœuvrable, comme évasion. Évasion plus. Plus 53 000, ça serait très bien. Avec Earplugs aussi, c'est quelque chose qui va être nécessaire dans les plus vieux Monster Hunter. Dans Generation Ultimate, pas tant, là. Mais, qui est quand même une bonne chose à avoir. Puis qui t'empêche de te retrouver dans des situations louches. Ah, pourquoi j'ai reloadé? Pas un Jaggi, pas encore! J'ai des flashbacks, ok? De Monster Hunter For You qu'on a à peine joué. Ah! Ok, merci. Non, il est pas mort! Meurs! Merci. Je suis sûr qu'il y en a un autre.
J'ai eu peur pendant un instant. J'ai vu un effet autour de moi. Je me suis fait frapper. Mais non, je me suis pas fait frapper. Fait good. 15% des items sont... Oh my god. C'est la phrase exacte que mon chat dans Rise a dit. Ils ont recyclé vos phrases. J'étais même pas au courant tellement que je vous porte pas attention normalement. My god, ils ont recyclé les phrases dans Rise. C'est quand même triste, je trouve. C'est quand même quelque chose de pas si dur à faire, non? Du texte, changer du texte dans un jeu. Faut croire qu'il y avait vraiment pas de budget. Mais bref. Ben, tu sais, je dis pas dur, mais tu sais, j'imagine que ça coûte quelque chose quand même. Faut que tu payes ton employé. Il voulait pas payer des employés. Toujours. Pourquoi payer des employés quand on peut copier-coller? En fait, faut que tu payes un employé pour copier-coller. Non? Oui? Je vais juste m'enfuir en courant, en changeant de sujet, parce que je suis en train de dérailler et de dire de la merde. Comme d'habitude, dans le fond, ça change pas grand-chose. Dernier Jaggy mort! Merci. J'ai manqué mon coup la première fois, faut juste ignorer ça, ok? Hey, on a réussi! Une autre quête de réussite, c'est pas magnifique ça, rien qu'un peu! Enfin, une quête où ce que... il se passait quelque chose. Regardez-moi ça, comment je suis ben trop magnifique! Délicieux! On devrait peut-être cueillir du miel aussi, non? En fait, j'en ai des millions! Oh, Snake Bee l'arrivée, par contre, je vois pas en avoir des millions. Peut-être que oui, je sais pas, j'en ai aucune idée. Je me demande quel matériau de départ j'ai pas des millions de. Les millions de packs que j'ai pris m'ont tout donné. Ils m'ont donné la lune quand je demandais le gazon. Je demandais juste du gazon. Bref, on va miner. Tout gentiment. Ah, Dragon Ember Piece, of course. Of course, elle est donc schnapsée, mais là, me donne juste des stones. Qui est de la merde aussi, les stones. Oh, Earth Crystal, ça peut être bon ou pas. C'est quoi ces plantes-là? En fait, j'ai tout le temps l'impression que c'est une bouche qui va me manger quand que je m'en vais cueillir ces ferns-là. Ah, les Unique Ferns. Magnifique. Bref. Donc, j'assume. Je vous laisserai pas... je finirai pas la vidéo, là, quoi que je pourrais. Mais je ferai pas ça parce qu'on arrive à la quête clé. Et je trouverais ça chiant de tout faire cette vidéo juste pour vous laisser... à la quête clé. Donc, je vous reviens pour la prochaine quête. Où est-ce que je vais totalement la réussir? Regardez-moi la belle photo, par contre. Belle photo d'un Jaggy qui est en train d'exploser d'orgasme. Bref, je vous en rejoins dans pas long. Ok, vous courez vite, vous êtes déjà revenu avant moi. Ok, non, excusez-moi, ça n'a aucun rapport. Mais j'avais dit je vous rejoins. Bon, ok. on fait le Great Macao. J'ai mangé. Ok, j'ai fait intentionnellement manger pour Feline Temper. Qui increase my Bogan Damage. Fait que ça devrait peut-être nous aider. Ou peut-être que ça changera absolument rien. Mais mon ingrédient que j'espère qu'il va m'aider le plus. Ah, oh, goddammit, j'ai oublié de refouler mes normales level 2. Classique, classique. Bon, on a 62, on va faire avec. Mais j'espère que... on va utiliser les flash boom en fait. Peut-être que je devrais utiliser le piège aussi. On va le capturer, évidemment. Tout ce qui peut... ben, ça dépend. Ça dépend. Si ça nous met dans le trouble, essayer de capturer, on capturera pas. Si... ça dépend de la situation, c'est ça que je veux dire. Ça raccourcit la quête de capturer, mais bref. On va aller voir la superbe... scène que je sais plus où est, peut-être à 2 ou 4 ou quelque chose dans le genre, mais bref, ou 7 peut-être, 2, 4, 5, 6, et dans ce coin-là quelque part la 5, mais le chat dans la maison, là, il fait juste, on devrait l'appeler Echo parce que tout qu'est-ce, il y avait des chats qui voulaient me parler dans le Palico Ranch, c'est-à-dire me dire, hey le dojo est prêt, ou hey tu peux acheter des affaires ici, ou blablabla, dans ce genre-là, puis le chat, dans ta maison, il est comme « Hey, tu peux utiliser le dojo! » Pas vrai! Ou « Hey, tu peux acheter des choses ici! » Il répète tout ce qu'ils disent dans le fucking Palico Ranch. Pourquoi était-ce nécessaire? Bref, c'est mon rage. Le problème de Generation Ultimate, c'est que tout le monde dans le village veut te parler. Tu vas te couper les cheveux, puis là, tout le monde va avoir une bulle au-dessus de leur tête pour te dire « Waouh, tu t'es coupé les cheveux! Maintenant, tu peux acheter des potions grâce à ça! » Bref. Puis là, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va te dire « Hey, tu t'es coupé les cheveux, bravo! Tu savais-tu que si tu parles à la personne que tu aimes de parler, tu vas pouvoir acheter des potions? » On peut ressentir toute ma rage. Mais bref, il y a plein de monde qui parle pour rien dire dans le village. C'est ça, mon point. Sur ce, ça doit être à la zone 5 que la scène allait. Et il faut que je monte ici avant de me faire poignarder dans le cul par des bnabres. Merci. Mais là, je suis pas dans la bonne zone. J'aurais même mieux être vis-à-vis 4 pour commencer...
la chasse, si on veut. Là, qu'est-ce qui est bien, c'est que je me fais frapper. Je peux dire, on finit la vidéo, je m'en vais pas dans Iceborne. Parce que j'aurais pas le temps de tout setuper, mais je pourrais préparer. On commence avec une flash boom, on commence en force, ok, pour setuper la zone. Lui a pas été marqué, puis il m'a vu. Donc, oh non, c'est vrai, le grand Macao, il est pas immunisé sur place. Dans ma tête, c'est un Vélocitrone comme dans le premier. Donc, il peut faire des affaires quand même, fait qu'il faut que je porte attention. J'ai été chanceux qu'il m'attaque pas. Andrew, par pitié, tue-le ou moi. Arrête de reculer! Merci, je pense qu'il est mort pour vrai. Là, je vais tuer lui. Je sais que ça change pas grand-chose. Il me vise, je pense. Il me vise. Ou il me vise pas. Je vais me placer à un changement de zone, ok? Ce qui est la dernière chose qu'on veut faire normalement quand on joue à Monster Hunter parce que c'est tellement frustrant. Mais je pense que ça peut me sauver la vie. Ah! Ok! Flash boom time! Non! 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 Saute en Superman! Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok. Tout le monde sauf un, encore une fois. Et je voudrais le tuer le plus vite possible pour pouvoir m'attaquer au grand Macao pendant que les autres sont étourdis. Mais le problème, c'est que j'aurais aimé ça étourdir tout le monde parce que je pense qu'il peut pas en spawner plus que 3. Donc, s'il y en a 3 de spawner puis les 3 sont étourdis, ben ça me donne une opportunité de d'attaquer. Ça a été 3 bons shots, ce qui est correct. Oh non! Il y en a un qui s'est libéré encore une fois, changement de zone. Et mes chats sont en train de les divertir à la perfection. Merci. Là, il en manque un, puis je sais pas d'où ce qui... Ah, il est là. Une, deux, non? Enfin, d'où c'est qu'il sort? Ah, ok, il y en a un mort, puis un qui est revenu. Ok. Là, vous me voyez, je suis très prudent, je pense que je vais utiliser un autre flash boom. Juste au cas où. Puis je vais essayer. Il y en a une, deux, trois. Ok, c'est parfait, parfait. Go! Flash boom! Tout le monde est pris? Yeah! Ok. Ça va être le temps de le frapper comme du monde, là. Je pense. Je pourrais utiliser mes grosses munitions, en fait. Et le grand Macao va tout le temps se sortir avant ses petits... Oh, il est déjà sorti. Ouais, ça n'a pas été long, celle-là. C'est sûr qu'en abusant des flash booms, c'est ça que ça fait. Saute, va-t'en. Il te vise. Non! C'était si bien parti. On est déjà... C'était pas si bien parti que ça. Ok, je vais vous avouer que la raison pourquoi je me suis fait frapper là-dessus, c'est parce que j'étais pas au courant. Je connais pas assez ses attaques au grand Macao. Je suis pas expérimenté. Et quand il m'a chargé de même, je me doutais qu'elle allait me frapper parce que j'étais comme, ah, je sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, quand il m'a donné son beau petit coup de patte dans la face, je m'en attendais beaucoup. Contrairement au grand Jaggy qui m'a frappé les fesses la dernière fois. Mais bref, qu'est-ce que je veux dire, c'est... Faut que je l'apprivoise. Mais bref, on est rendu à Monster Hunter World Iceborne! Est-ce que je le... Non, je peux pas le faire tout de suite, comme je vous ai dit. Donc, merci d'avoir regardé. Et à la prochaine sur Monster Hunter World Iceborne.